fait sur les ailes d'une colombe. Dieu vous bénisse. Nous avons bien pambola bino. Avant de lire la parole, les bossuets étaient tout tang tout tangalidoba. Nous parlerons de quelque chose rapidement. Tokolobela iloko moko na lombango. Parce que c'est comme vous le savez le dimanche. Lokola boyebi était moko le moyenga. Et cela a fait une tollé dans les réseaux sociaux. Et tamboli mingi na ba réseaux sociaux. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui se prêche ailleurs. Na ebite lokoni ni bazali kote ya epai mosusu. Mais nous les gens du message de frère Branham. Kasi biso banzimi ya sangwa ndeko Branham. Nous avons déjà une ligne de conduite. Tozali na nzela oto sengeli kolanda. Et qui nous a été déjà donné. Oyesi epesamela biso. Et nous avons nos devoirs. Tozali pe na misala na biso to sengeli kosala. C'est presque tout le monde partout. Partout on a appelé de gauche à droite, partout. Babengi kouta na bipai na bipai. Notre devoir en tant que croyant du message. Et tinda na biso lokola banzimi ya sango. Nous devrions normalement être une église au milieu du village. Tosengeli koza plaisir oyo ezali kozwa ngambo mokote ezali na katikati. Et une base arrière pour une nation. Pe tozala bokasi moko pona ekolo. Tu vois? Bomoni. Donc nous devrions normalement être une base arrière. To sengrai kozala bokasi moko. Et pour notre nation. Pona ikolo na biso. Comme David était la base arrière pour Israël. Lokola David azalaki bokasi ya Israele. Pendant la période de Goliath. Na tango yo bazalaki na Goliath kubundisa bango. Quand il y avait une difficulté. Tango koko so ezalaki. Il y a quelqu'un qui était une base arrière. Ezalaki na moto azalaki bokasi na bango. Chez qui Dieu a caché sa force. Et pas inzamba bomba ki oyaye bokasi. Envie de vaincre pour la nation. Pona kolonga na ntina na ekolo. Qui peut dire amen? Alors ce nouveau David là. David oyo asika wana. Parce que le frère Branham qui nous appelle comme ça, que nous sommes de nouveau David. Ndeko Branham nda bengi biso ba David yasika. Sont sur la terre maintenant. Tozali na mokili sikawa. Ils sont sous l'onction prophétique de Malachi 4. Bazana se ya guya ya isakuri ya Malachi 4. Ces gens-là, Dieu les écoute quand ils parlent à Dieu. Ba doana nzamba yokelaka bango na tango balobelaka ye. Donc Dieu nous écoute. Nzamba yokelaka biso. Et c'est comme ça que notre pays boende mboka na biso ne sera jamais vaincu et kolonga makate par une armée étrangère. Na mampinga moko bapaya. Parce que il y a des véritables serviteurs de Dieu qui sont cachés, qui sont en plein travail. Peut-être que la nation ne connaît même pas. Ils sont la base arrière de la nation. Maintenant, vous quittez la base arrière. Et vous allez vous présenter là-bas. Et alors, qui va prier pour la nation? Maintenant, qui va prier pour la nation? Donc, notre travail, c'est de soutenir nos autorités et la nation par notre consécration et par nos prières. Et parce que Romain l'a dit, l'apôtre Paul l'a dit, il dit ici dans Romains 13, donc, premier verset. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu.
Oh, il n'a pas été voté, il n'a pas été voté. Oh, bapona qui était, bapona qui était. Dieu ne dépend pas de vos votes. Nzambe atali la kama ponomi na binote. Donc Dieu ne dépend pas de vos votes. Nzambe atali la kama ponomi te. Celui que Dieu veut, c'est celui qui le mettra. Oh, nzambe akosepela na yende akotia ina esika. Et vous, vous êtes obligés de l'écouter. Yo osengeli ko yo ke la mokonzi nzambe atie. Parce que le poste numéro 1 de la nation ne peut pas être occupé par quelqu'un que Dieu ne connaît pas. Oh, esika liboso na kati na ekolo ekokite kozwa mana moto nzambe. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Alors c'est pour cela que j'ai dit que notre devoir c'est d'être la base arrière pour une nation. Pour que la nation ne puisse pas aller entre les mains des étrangers. C'est notre devoir. C'est le devoir de chacun de nous. Alors si tous nous partons là-bas. Et alors qui va rester comme base arrière? C'est que vous, vous devez rester comme base arrière. On peut se lever pour la lecture de la parole. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 18. Alors je vous recommande de bien saisir ce qui se fera aujourd'hui. Parce que cela sera notre marche quotidienne et régulière. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 18. Excusez, je suis en train de chercher ça ici. Matthieu chapitre 18. Ok. Matthieu 18. Tu peux lire dans la Bible, frère. Un frère qui est prêt là-bas, Matthieu 18 à partir du premier verset. Moto ya siri kozo yango atanga mata yozo mina mwambe utanzera liboso. Oui. À partir du premier verset. Oui. Verset. Oui. Matthieu 18, à partir du premier verset. En ce moment. Non, non, non. 14. 14. 14e verset. Oui. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux. Il se perd un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi un ou deux personnes. Afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous l'ai dit en vérité,
Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Okay. Ça va. Asseyez-vous. Donc, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre et pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Nalobina bino lisusu ete soki ba balekati na bino bayoka ni pona kosenga iloko usongolo tata na bino azali na likolo akopesa bango yango. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Jambi epai ba baleba sato ba sangani na kombo na ngai na zali katikati na bango. Alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à cette fois? De Petro abelemi na yepe atuni ete nkolo mbaraboni na sengeri kolimbisa ndeko na ngai soki asaleli ngai mabe ekozala bongo kino mbala sambo. Jésus lui dit: je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à 77 fois 7. Yesu alobi na ye nalobi na yote kaka na mbala sambo kasi mbala tuku sambo na sambo. Et alors nous voulons traiter ici sur les questions-réponses de 12 janvier 61. Awa tolingi kolobela mituna pe biyano ya mobutu ko motoba na moko. Et c'est là que je vous demande de bien saisir cette fois-ci. Awa nde na sengi na bino bososola yango malamu. Le paragraphe 505. Zera kotanga kama mitano na mitano. Il dit que nous n'enlevons pas les noms de gens du registre. Pour les excommunier et des choses comme cela. Parce que je crois qu'il n'est pas de notre devoir de le faire. Je crois que c'est Dieu qui excommunie, voyez-vous. Mais je crois que l'Église, s'il y a un frère qui se comporte mal, 5, 5, 6. Et par exemple, si l'on surprend, et si l'on surprenait frère Neville ou frère Junior ou frère un frère d'ici, un des diacres ou un des administrateurs ou quelqu'un d'autre en train de mal se comporter, je crois que ce que l'Église devrait faire, c'est de se réunir pour prier pour ce frère. S'il ne se met toujours pas en ordre, alors que deux personnes aille auprès de lui, aille chez le frère pour qu'il soit réconcilié. Et si ensuite il n'accepte pas cela, alors dites-le devant l'Église. Et s'il n'écoute pas cela, c'est alors à l'Église entière, voyez, aux pasteurs, aux anciens et à toute autre personne de le faire. Je ne crois pas qu'un conseil de diacre ait le droit de chasser quelqu'un de l'Église ou qu'un conseil des administrateurs ou un pasteur ait le droit. Un pasteur a le droit de faire cela. Bon, ça c'est la première forme que nous voulions dire ici. Quand vous surprenez un frère en train de faire quelque chose de mal, vous allez le voir, il continue, vous prenez un témoin. Il continue et vous prenez et vous amenez cette affaire à l'Église. Et parfois nous amenons même et donc une commission
Et pour ramener les frères. Et si ne ramène toujours pas, il y a un temps, on donne même un mois ou 14 jours. Pour que le frère puisse se réconcilier avec l'église. Alors, s'il refuse toujours de se réconcilier avec l'église, alors ce que le frère pourra faire, nous les frères pourrons faire maintenant cette fois-là, c'est d'amener cette affaire à l'église. Et cette personne sera livrée à Satan pour avoir refusé de se réconcilier avec l'église. Bon, maintenant nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 5, à partir du premier verset et on descend. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle que ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous à la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Et pour moi, absent du corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan et pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Bon, ici, c'est quelque chose de différent. Au sujet, par exemple, de Matthieu 18, que nous avons vu le frère commettre le péché. Et il y a la procédure générale. Il faut aller voir le frère. Et s'il continue, vous allez le voir avec un ou deux témoins. S'il continue, vous pouvez lui donner un délai pour qu'il se mette en ordre avec l'église. Si au-delà de ce temps que vous lui avez accordé, il ne parvient toujours pas à s'accorder avec l'église, alors cette fois-là, vous êtes quitte. Vous l'amenez à l'église, vous amenez cette affaire à l'église. Ce n'est pas que vous commencerez encore à lui poser des questions à l'église. Frère, pourquoi vous n'avez... non, moi je n'ai pas parlé. Non. Ici on dit qu'il faut dire à l'église que du fait qu'il a refusé de se réconcilier, il n'est plus. Alors là où deux ou trois sont assemblés, à cause du nom de Jésus, ce que nous lierons ici sur la terre sera lié là-bas. Si nous allons le délier ici sur la terre, sera délié là-bas. Donc ça, c'est un type, un autre type que nous allons lire ici dans 1 Corinthiens. C'est un homme qui a vécu d'une manière désordonnée, mais dont l'âme a été déjà sauvée. C'est pour montrer que quelqu'un peut être sauvé et faire ce qui est mal. Il fait le mal au niveau de son esprit. Bon. Alors, il y a aussi d'autres qui peuvent faire
qui peuvent faire la même chose, qui peuvent être chassés, mais qui sont prédestinés à la perdition générale, totale. Comme ceux qui sont écrits ici dans le livre de Jude. Donc au premier verset, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Vous voyez, ici c'est une autre catégorie de ces gens-là qui ne peuvent jamais être sauvés, mais qui peuvent se glisser au milieu de nous et commencer à faire des actions contre nature et qui vont commencer à faire des choses interdites par la parole et non pas la conscience. Ils sont comme le serpent qui n'a pas de hanche. Donc leur conscience a des flétrissures dedans. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leur chair. Ils méprisent l'autorité et ainsi de suite. C'est comme ça que sont ces gens-là. Si dans le signal rouge de sa venue, paragraphe 130. Et maintenant nous découvrons ces choses. Oh là là, juste dans son petit grand livre. Et comme je l'appelle. Au verset 7, Nanzela Sambo. Ici, il est en train de parler. Il dit que de même que Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se firent de la même manière à la débauche, qui recherchent des unions contre nature, voyez-vous, à la débauche, qui recherchent des unions contre nature, sont donnés un exemple, soumises à la peine d'un feu éternel, c'est-à-dire à être complètement consumé et anéanti. Donc ce sont des gens
et dont la condamnation a été donnée depuis longtemps. Ils ont un appétit excessif de sexe et ils sont de cette semence du serpent. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain peut faire lever toute la pâte. Et le levain, c'est quoi? Une mauvaise chose qui peut être au milieu de vous. Et la pâte, c'est quoi? La pâte, c'est le corps. Et donc, les chrétiens, c'est cette pâte. Mais dans la pâte, quand il y a un peu de levain, ça abîme la pâte. Et pour que la pâte soit homogène, il faut que le levain soit ôté. C'est ce qu'on appelle le levain doit être ôté. Ici, dans le lieu de cet âge mauvais, au paragraphe 115. Remarquez. Donc, l'arbre auquel Satan a amené Ève à prendre part, c'était l'arbre du bien et du mal. C'était un arbre mélangé. Bon. Considérez le jour dans lequel nous vivons. Au moment où il est en train d'appeler une épouse à sortir, il a une église qui prétend faire le bien alors qu'elle est mauvaise. Du fait qu'elle réunit la parole. Un arbre mélangé, oh, direz-vous. Ils ont de grandes sociétés. Ils aident ceci et cela. Et la Croix-Rouge appuie cela. Et toutes les écoles. Écoutez ceci. Mais juste régner une seule parole. C'est tout ce qu'il nous fait faire pour mourir. Peu importe combien cela est intellectuel. Combien cela est bon. Jésus a dit. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Une toute petite quantité de levain abîme la pâte. Une seule parole de Dieu déplacée, ça gâche toute l'image. Quand sera-t-il si mon bras était là où il doit se trouver? Où devrait se trouver le pied? Et si le bras se trouve là où devrait se trouver le pied, ça ne marcherait pas. Un corps malade. Tu vois un peu de levain. Et le levain, c'est l'interprétation particulière de la parole. Et le levain, c'est cette mauvaise vie que les gens vivent ici dans l'église. Et nous disons que non, que ce levain reste là-bas, il va s'échanger un jour. Il va changer. Non! Il faut ôter le levain. Parce que le levain, c'est ça qui dérange la pâte. Amen. Et la pâte, c'est quoi? Ici, dans le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu, paragraphe 123. Quel en est le type dans le sacrifice? Ne le mélangez à aucun credo. Il faut que ce soit la parole. Pas de pain levé. Le levain, c'est le 3 points de suspension. Il dit, vous savez ce que représente le levain? Dans quoi que ce soit, un peu de levain
fait lever toute la pâte. Et comme il s'appelle Nyonso. Toute la pâte Nyonso représente le corps. Et Kotali Sanzoto. Et le corps de Christ, c'est ça la pâte. Nzoto na Christ ya monde pâte. Quand vous laissez le levain dans la pâte, ça abîme tout le corps. Ça abîme toute la pâte. Et la pâte sera levée. Tu vois? Donc, il faut que nous puissions faire attention. Bon, ici, la question répond du 12 janvier 61. Nous allons maintenant au paragraphe 507. Je pense que si quelqu'un devait être chassé de la communauté, ce devrait être à cause d'une vie immorale ou de quelque chose de ce genre, parce que ce serait une personne indigne. Par exemple, un homme qui viendrait ici pour souiller nos filles ou pour insulter nos femmes et des choses comme cela, et qui continuerait à confesser qu'il est l'un des nôtres ici. Vous voyez? Maintenant, si c'est quelqu'un de l'extérieur qui vient ici, eh bien nous devons nous en occuper. Mais quand on a affaire à une personne comme celle-là, une personne immorale qui essaie de faire l'amour avec nos femmes ou d'insulter nos filles, ou vous savez l'une ou l'autre chose de ce genre, ou de faire quelque chose d'immoral avec elle, ou de faire sortir nos petits garçons et de les pervertir ou quelque chose comme ça, on devrait parler de ces choses et ensuite cette personne devrait être excommunié et on ne devrait pas lui permettre d'avoir communion avec la communauté. Parce que nous ne sommes pas censés faire cela. Pas du tout. Si quelqu'un mange indignement, il est coupable envers le sang et le corps du Seigneur. Cela concerne cette personne-là. Mais je crois, comme l'a dit quelqu'un, et ça c'est une chose autre que nous allons voir. Alors ce cas ici vient compléter le cas de cet homme de 1 Corinthiens chapitre 5, qui a fait un scandale dans l'église, un grand scandale. Lui, c'était seulement la femme de son père, pas une autre femme. Quand il regardait la femme de son père, le cœur tremblait. Il a effacé son père dans sa pensée. Et je pense qu'ici en Afrique, cela n'a pas encore eu lieu. C'est un grand scandale avec Essa en grand majuscule, même 3 mètres. Mais cet homme-là devrait être immédiatement chassé de l'église. Mais Paul, avec son œil puissant d'aigle, a vu qu'il était sauvé. Et il devrait aller au ciel. Alors il était avantageux qu'il quitte vite. Et pour qu'il ne puisse pas être condamné avec le monde. Et c'est comme ça qu'on l'a
chassé. Donc on l'a même livré à Satan. Mais tu peux chercher, je n'ai pas trouvé l'endroit où cet homme était rentré. Je n'ai pas trouvé. Mais en cherchant de le frère Banam, peut-être on trouvera un jour, mais on n'a pas encore trouvé. Donc on ne met pas un poil là-bas, mais on laisse une virgule pour la suite du temps. Alors cet homme-là, c'est comme celui qu'on devrait réprimander en public. Et pour avoir fait quelque chose de mauvais. Ce qui m'a intrigué dans le cas que nous avons parlé dernièrement, c'est quand Diacre Ngokala est venu me voir pour un autre cas. Il y avait un cas, mais dans le cas là, il y avait un autre cas. Alors c'est comme ça que je n'ai pas trouvé ce frère honnête avec moi, avec l'esprit, avec la parole, avec l'église. Alors je n'oublierai jamais, frère Lewis Petrus. Ce grand homme de Dieu à Stockholm, c'est la citation que le frère Thomas nous avait donnée ce jour-là. Et qui a calmé les bruits. En Suède. Il dit, nous étions assis à table. Juste quelques heures avant de rentrer en Amérique. Et nous avons eu des glorieuses réunions là-bas. Et il a dit, Gordon Lensey a dit, qui est le surveillant de ces grands groupes et de ces grands corps, frère? Cela dépasse les assemblées de Dieu à des centaines de kilomètres, voyez. Il a dit, qui en est le surveillant? Et Lewis Petrus est de nature un gentleman. Et il a dit, Lewis Petrus azali motomoko azala kamara mwalubi. Jésus. Alubi Yesu. Il dit, alubi. Qui est votre pasteur? Il dit Jésus. Nani azali mo kengeli na bino? Alubi Yesu. 511. Il dit, je sais que c'est vrai, dit-il. Il dit, nous croyons la même chose au sujet de nos assemblées de Dieu. Il dit, la ligne dit, qui décide quand et qu'on le mette dehors. Si un frère sort de la ligne, dit-il, alobi, qui décide qu'on le mette dehors? Il dit, nous ne le mettons pas dehors. Alobi, il dit, bien. Alobi, et que faites-vous? Nini? Il dit, nous prions pour lui. Alobi, je pensais que c'était vraiment doux. Cela semblait chrétien pour moi. Nous prions pour lui. Personne ne l'expulse et il prie pour lui. Il dit, bien. Alors, qu'arriverait-il si quelques frères sont d'accord de communier avec lui, dit-il? Et que d'autres ne veulent plus, vous le faites entrer. Par exemple, si c'est un pasteur, donc vous voyez qu'il commence à faire le don juan parmi les. Vous comprenez ce que je veux dire? Et des choses comme cela. Et que certains pasteurs ne veulent pas de lui dans les églises. Et que ferez-vous? Vous tous l'expulserez-vous?
de votre organisation. Non, dit-il, nous le laisserons simplement tranquille et nous prierons pour lui, dit-il. Nous n'en avons pas encore perdu un seul. Ils reviennent toujours à une manière ou d'une autre. Il dit bien. Bien, dit-il. Maintenant, qu'arrive-t-il si, dit-il, qu'arriverait-il si certains d'entre eux disent qu'ils veulent le garder et que d'autres n'en veulent pas? Et bien, qu'en dites-vous? Il dit, bien, ceux qui veulent le garder le prennent. Ceux qui ne veulent pas de lui ne sont pas obligés de le prendre et de le faire. Ainsi, je pense que c'est une bonne façon de procéder, n'est-ce pas? Et de cette façon-là, nous sommes frères. Bien frères. J'espère que ces choses ont, en quelque sorte, donné un petit semblant de réponse ou quelque chose de ce genre. Et que notre réunion ici, ce soir, nous aura été bénis et bénéfique en quelque chose. Je suis sur le point de partir maintenant et pour un terme. Et pour un temps, je vais m'embarquer dans des réunions là dans l'Ouest. Humblement, je désire ardemment que vous priez pour nous. Bon, Dieu soit béni. Est-ce que vous suivez très bien? Donc, ici, nous avons ici quelque chose que le frère Banam a apprécié. Mais il y a quelque chose que le frère Banam a pu faire qui ressemble un peu à ça. C'est dans la prédication et tu ne le sais pas. 15 août 65, paragraphe 102. Le frère Banam était dans un voyage missionnaire, il est rentré et il a trouvé son église sans pêle-mêle. Les gens commençaient à boire, les frères dans le péché, ainsi de suite. Alors, ici au paragraphe 102, il dit: Est-ce là, monsieur, le révérend Orland Walker de l'Oregon. C'est lui qui était là le dimanche où j'étais ici. Quelqu'un est-il au courant de cette chose très étrange? Quand je suis arrivé ici, il y avait tellement de gens. J'avais tout un tas d'interviews et chacune d'elles en valait la peine. Quelque chose d'étrange. Quand je suis venu ici, j'ai trouvé quelque chose d'étrange. Donc leurs enfants mariés, babalani, des ivrognes et différentes choses, des choses qui valaient la peine. Il aurait fallu que je voie chacun d'eux. Je n'arrive pas à faire tout ça. Je vous confie à Dieu.
Je pose les mains dessus et je prie. Je dis au Dieu, je n'arriverai pas à le faire. Et donc, va vers eux. Et il a terminé là-bas. Il n'a pas fait autre service que cela. La chose étrange qu'il est venu trouver dans son église était la vie que ses enfants ont commencé à mener qui n'était pas correcte. Alors, qu'est-ce que nous allons faire à partir de ce moment où nous avons les preuves que le frère Polycarpe, à part ce qu'il avait dit, il y a d'autres choses qu'il n'a jamais dit. Parce qu'il y a une sœur qui a parlé avec le diacre Ngokal et qui a trouvé que la sœur a ajouté encore une autre chose. C'est ça qui m'a mis dans toutes mes couleurs. Je dis que bon, alors comme ça, comme le frère a trouvé bon de ne pas être sincère, a parlé de tout ce qui lui était arrivé, alors il serait bon qu'il puisse quitter notre église et qu'il prie ailleurs s'il peut aller prier ailleurs. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Que Polycarpe, ceux qui vont le faire parvenir l'information, puissent lui dire que il a été dit à l'église que le scandale était grand. Et suite de l'entretien qu'une sœur avait eu avec Ngokal, il n'est pas bon qu'il soit ici. Qu'il oublie la porte de notre église et qu'il se trouve une autre église quelque part ailleurs. Que notre Seigneur vous bénisse. On peut se mettre debout. Nous sommes en chemin vers Jérusalem. Nous sommes en chemin vers Jérusalem. 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 Jérusalem, 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 la cité du roi Jérusalem, 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 Jérusalem. Jérusalem, 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 la cité de gloire, Jérusalem, oh, la cité de paix. Chacun remercie le Seigneur. Jérusalem, la
cité de gloire, Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. Oh, oh, la cité de paix, Jérusalem. La cité de grâce, Jérusalem. Oh, la cité de paix, Jérusalem. Bénis sa famille.
Bénis chaque âme qui a reçu cette parole. Et je te demande de vivifier par ton esprit cette parole dans l'âme de chacun de nous. Je te demande ainsi, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous appelons les diacres pour la collecte. Frère Amissi, Enoch Amissi est ici, il peut rapidement voir le pasteur. Ce qui est Mobali, Enoch Amissi Azali Awa, Akumuna Lobango, Okengeli. Prions. Tosambela. Dieu notre Père Céleste. Nous habitons la mission à l'Ikolo. Nous te recommandons cette partie de notre adoration. Bénis ces dîmes et ces offrandes que nous apprêtons à t'accorder. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le pasteur va recevoir demain après à partir de 9h30. Depuis lors, au choix splendide, la joie de mon cœur, adieu mes soucis perfides, par Jésus, je suis vainqueur, adieu convoitise du monde qui me tente, j'ai trouvé la paix promise dans le sang de Golgotha à la croix. Sans disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Oh, à la croix, du maître, à genoux, je fais mon choix. Je veux être tout près de lui par la foi. Sollicite la prière de saint parce qu'elle doit passer par une opération chirurgicale. Elle compte beaucoup sur nos prières. La sœur Anne Mbombo demande au saint d'intercéder pour son père qui a perdu du travail.
Il compte sur nos prières pour que son père soit rétabli au travail. Chacun peut se mettre debout et prendre ses deux requêtes, les amener au trône du Seigneur pour une solution. Bientôt ma tâche accomplie, j'entrerai tout droit au port où m'attend douce patrie, les grands vainqueurs de la mort. Là je chanterai ta gloire, ô toi qui m'as tant aimé. Et dans l'œuvre expiatoire, pour toujours m'as racheté à la croix. Oh, au pied du maître, à genoux, je fais mon choix. Sans d'ici, là je veux être tout près de lui, oh, à la croix, oh, au pied du maître à genoux, je fais mon choix sans d'ici. Pour cette soirée bénie en ta présence, nous étions là pour que tu nous instruises, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, puisque par ce qui s'est passé, Seigneur, nous avons appris
Nous avons été instruits. Nous avons été corrigés. Nous avons été avertis. Oh Dieu, merci pour tout cela. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin. Nous revenons encore auprès de toi avec ces deux requêtes de notre sœur Anifa et pour le travail du père de notre sœur Anbombo. Cela est déjà prononcé devant toi, Seigneur. Et nous venons en tant qu'intercesseurs. Puisque tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs pour que nous puissions intercéder les uns pour les autres. Seigneur, sois favorable à ces requêtes et puisses-tu y accorder un regard favorable pour que ton nom soit glorifié et pour que tes enfants se réjouissent. Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Puisses-tu raccompagner chacun de nous. Et si tu nous donnes encore l'occasion de rentrer en ta présence, nous ne manquerons pas de bénir ton Saint-Nom. Sois loué, sois béni, sois exalté, sois élevé, sois adoré. Puisque tu es le seul Dieu qui mérite cela, tu es digne de notre adoration, de notre louange. Toi, notre Rédempteur, notre Dieu, celui qui nous a aimés, celui qui nous a sauvés, celui qui nous garde et qui nous protège. Oh Dieu bien-aimé, je te prie, Seigneur, de protéger chacun de tes enfants qui étaient ici ce soir, surtout à cette fin d'année où les diables multiplient ses attaques envers ton peuple. Mais nous nous réfugions en toi, toi qui as dit dans ta parole que ton nom est une tour forte, une protection, et tous ceux qui se réfugient sont en sécurité. Seigneur, d'une façon particulière, je demande la protection pour le peuple de la moisson tabernacle. À cette fin d'année, Seigneur, que toute arme de l'ennemi Satan dirigée contre ton peuple, que cela soit nul. Puisses-tu annuler tous les programmes du diable sur ton peuple, Seigneur. Je t'ai pris avec foi, croyant que tu l'as fait, puisque c'est au nom de Jésus-Christ que nous l'avons ainsi demandé. Amen. Que Dieu soit béni, nous sommes arrivés à la fin. Nous serons ici encore le vendredi pour écouter les instructions de Dieu. Du reste, que le Seigneur vous accompagne. Bientôt ma tâche accomplie, j'entrerai tout droit au port où m'attend douce patrie le grand vainqueur de la mort. Là je chante